Salut salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme petite vidéo on va parler des cartes pour faire le haut fait haut en couleur tu sais c'est les cartes de as de trèfle as de pique etc là on va le voir ensemble sur la vidéo donc tu vas dans le menu base de données donc bien sûr objet à récupérer et là tu vas voir toutes les cartes là tu vois déjà les cartes que j'ai pu avoir et euh, donc voilà, le but c'est de les collectionner. Moi personnellement, je m'en fous, je cherche pas à les collectionner plus que ça. Mais bon, vu que c'est calme en ce moment dans le jeu, je me suis dit je vais te faire la vidéo sur ce sujet. J'ai failli te la faire il y a 4-5 jours. Et euh, bon, bah, je me suis dit je vais te la faire là. Voilà. Donc c'est très simple, tu vas euh, sur la carte là où c'est indiqué. Tout simplement, tu te, te transportes au point le plus près n'oublie pas la petite caisse, hein, une petite caisse ici avec une teinture. Moi je l'ai déjà faite, donc voilà. Et tu verras que l'ennemi, il est dans ce secteur. Voilà, en fait, il apparaît toutes les 30 minutes, tu peux, te le, tu peux le farmer, et à chaque fois, il lâchera une carte. C'est le moyen le plus rapide de finir euh, le haut fait. Voilà, tranquillement, ça t'évite de galérer à chercher euh, tous les namens de la carte. Et euh, puis voilà, donc tu le, tu le cherches. Il est dans cette zone là, repère, repère le sapin de Noël, hein, moi c'est comme ça que je fais. Personnellement, euh, là bah, j'ai fait un peu de la merde, hein, tu vas voir quand je l'ai attaqué. Là je cherche le mob euh, violet. Donc on cherche un mob violet et un jaune. Donc là tu vois ils sont plusieurs. Je me suis fait avoir, j'ai cru qu'il était là-dedans les boss. Donc j'ai grillé mon <laughs> ma munition spéciale. Et euh, voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai jeté une grenade là-bas. <laughs> Donc voilà, j'avais pas vu que le boss il était caché à gauche. Et j'y suis allé un peu à la, la n'importe comment en fait. Je me souvenais même plus des touches. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, ça faisait 4-5 jours. Je me souvenais même plus des touches. Mais bon voilà. Bref. Tu vas voir, je vais tuer le, le, le Named après. Et euh, il va lâcher une carte. Le but c'est que toutes les 30 minutes tu reviennes sur ce secteur-là. Et il va te lâcher une carte. Tout simplement. Voilà, donc si tu veux collectionner les cartes, si tu t'ennuies, si tu veux faire le haut fait, tous les hauts faits même, et ben voilà, c'est une astuce qui va te faire gagner beaucoup beaucoup de temps. Fais-le tranquillement. Et puis voilà, bon, regarde là, j'ai bien fait de la merde là. J'y suis allé à la... C'est toi ou moi <laughs> Ah, j'ai eu chaud. Regarde le nombre de points de vue qui me reste. <laughs> N'importe quoi. Donc voilà, tu vois, j'ai looté la carte. Et euh, bon voilà c'est très simple hein, tu as vu j'aurais pas niqué ma munition bêtement tu le one shot hein, tu le one shot clairement voilà là je vais te montrer tu vas là bim tu mets le bon menu objet à récupérer base de données et tu vas voir la carte qui apparaît là tout simplement ok voilà j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a aidé je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, n'hésite pas à regarder toutes les autres. On a fait tous les sujets. Sniper exotique, pestilence, etc. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.